Bien, bonsoir à tous et bienvenue à la Cité de l'architecture qui célèbre ce soir la culture iranienne à travers l'un de ses fleurons architecturaux, urbains, culturels, bien sûr. Je veux parler d'Ispahan. Alors, nous sommes permis un titre en anglais, Learning from Ispahan. Pourquoi ? Évidemment, c'est un clin d'œil pour les gens de l'architecture. Tout de suite, ils ont compris ce jeu de mots qui renvoie à Venturi, mais évidemment, Las Vegas ne va pas venir, je vous rassure tout de suite, dans notre discussion. Mais il y aura des surprises, vous allez voir, il y a d'autres villes et d'autres gens qui vont s'inviter et qui ne sont pas forcément sur la liste. C'est ça la grande surprise de ce soir. Nous sommes très heureux de participer à cette semaine culturelle qui a été organisée donc, par le Conseil franco-iranien, le CFI. Et je remercie aussi le commissaire Sina Abedi donc, de toute cette semaine qui, en différents lieux parisiens, culturels, a monté des événements justement dans... qui ouvre tout le champ de la culture. Alors, Learning from Ispahan, j'y reviens, ville mythique s'il en est, qui a alimenté l'imaginaire littéraire architectural, ruinée durant la période mongole, incendiée par Tamerlan, Ispahan a connu une véritable renaissance au début du XVIIe siècle. Elle devient la capitale de la Perse sous la dynastie des Safavides. C'est la vision urbanistique du Shah Abbas le Grand. Elle est surnommée la moitié du monde. Ce n'est pas rien. C'est une cité-jardin construite à 1580 mètres d'altitude. Elle est riche d'un patrimoine exceptionnel, ça va sans dire. Là, je voudrais souligner que la ville se lancera dans un plan de restauration dès 1930, justement pour mettre en valeur ce patrimoine. Aujourd'hui, c'est la troisième ville de l'Iran. Modernité oblige, avec plus de 2 millions d'habitants, et les prévisions pour 2030 l'annoncent à 5 ou 7 millions pour la région métropolitaine. On voit que déjà nous allons largement changer d'échelle, et les discussions qu'on va avoir ce soir, évidemment, là il faudra ensuite peut-être les mettre dans un autre spectre, mais nous ne sommes pas là pour faire de la prospective ce soir, mais plus pour évoquer ce qu'on peut retirer comme leçon d'Ispahan. Alors, quand on dit patrimoine, évidemment, on pense tout de suite à la place Meydan Eman, j'espère que je prononce bien, qui a été renommée la place Khomeini, donc classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 88, c'est-à-dire il y a 30 ans. Et c'est un acte très fort parce que c'est l'une des plus grandes places du monde, je le rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue, mais on peut même la voir par Google, 9 hectares, ça se repère du ciel, 560 mètres de long, 160 de large, qui est un espace public des plus importants dans l'activité d'une ville. Plusieurs ici autour de cette table, on va en parler ce soir. C'est une œuvre exceptionnelle en Iran où les villes sont construites sur un plan serré. Voilà, c'est ça qui va être intéressant, c'est de montrer comment cette dilatation a donné lieu à justement des événements extraordinaires tout au long de ces siècles. Et puis, ce qui est intéressant, mais je ne vais pas du tout développer parce qu'ils sont là pour le faire, c'est eux qui vont parler après moi, il y a cette mosquée royale qui a été l'une des commandes d'ailleurs de ce grand personnage, le Shah Abbas, dont je parlais tout à l'heure, et qui se désaxe pour s'orienter vers la Mecque. Donc là, il y a quelque chose aussi de très intéressant dans la question de l'organisation urbaine et dans la question justement des articulations spatiales. C'est tout le travail de ces architectes, car j'ai oublié de dire qu'ils sont tous enseignants. Ils emmènent leurs étudiants partout dans le monde et la plupart d'entre eux les ont emmenés en Iran et spécialement à Ispahan. Donc c'est ce regard aussi d'architectes praticiens, ils sont tous dans la vie courante, hein. Ce ne sont pas des historiens de l'architecture, ce sont des gens qui sont dans la pratique, mais quand même ils travaillent justement à partir de ces grands paysages urbains, ils en tirent de leçons et transmettent la transmission. On ne va pas faire un débat sur l'enseignement sur l'architecture ce soir, quoique c'est un peu l'idée. Alors, j'ai parlé de cette place, j'ai parlé de la mosquée. Je voudrais ne pas parler d'Ispahan sans évoquer les ponts,
les ponts sur ce fleuve, parce que l'infrastructure là-bas est traitée comme une architecture. Il y aura des interventions sur ce sujet, donc je ne vais pas développer, c'est-à-dire des ouvrages d'art, c'est-à-dire des ponts-barrages. Ils ont été conçus très techniquement, hein, pour briser les flots, mais aussi pour attirer les gens, et ces gens y restent, et encore maintenant, c'est un lieu où on ne fait pas que passer, c'est un lieu où l'on reste. Donc là, cette notion de l'espace public, de l'espace technique qui devient public, voilà quelque chose dont nous allons beaucoup parler ce soir. Alors, l'autre patrimoine, évidemment, et ça va avec, c'est le fleuve. Alors là, évidemment, on risque d'être un peu plus triste, parce que le Zion des routes, qui s'appelle, je traduis, hein, je parle sous le contrôle de Bita Azimi notamment, la rivière de la vie, a vu son cours détourné en 2001, ce qui fait que les ponts n'ont plus d'eau. C'est un peu bizarre. Imaginerait-on le Ponte Vecchio à Florence sans eau? Pourquoi je choisis Florence? C'est parce que la ville d'Ispahan est justement jumelée avec Florence. Donc c'est cette idée, cette vision presque dire d'horreur, le Ponte Vecchio sans eau, et bien imaginez qu'à Ispahan, les plus beaux ponts n'ont plus d'eau. Donc, si ce n'est un petit filet, parfois, qui est lâché, quand on lâche les barrages en amont. Enfin, voilà qui a suscité un workshop exceptionnel dans le cadre d'une université d'été. Je voudrais saluer Richard Scoffier, au passage, qui a fait tout ce travail avec Sina Abedi, donc étudiant français, étudiant iranien, enseignant français, enseignant iranien, justement sur ce thème de... Que faire d'une ville qui a perdu son fleuve? Voilà, c'était un thème extrêmement contemporain, extrêmement fort, qui croisait la géographie et la pédagogie, l'architecture, le paysage et la vie. En cherchant un peu, j'avais envie de voler à Jean-Christophe Ruffin le titre de son roman en 1998, « Sauver Ispahan ». Donc voilà, il l'avait déjà écrit, Sauver Ispahan. Alors c'est une fiction historique située en 1721. Et 1721, c'est assez amusant, mais je ne veux pas croire qu'il y ait un quelconque hasard, c'est la date de publication des Lettres persanes de Montesquieu. Donc là, c'est assez formidable, la boucle est bouclée, parce que je rappelle que deux seigneurs persans, Ouzbek et Rika, quittent leur ville natale d'Ispahan pour venir où ? À Paris. Eh bien, c'est ce que nous allons faire ce soir. On va établir ce lien entre Ispahan et Paris. Alors, quelle leçon, quel enseignement peut-on tirer de cette ville et de son patrimoine ? Le dispositif urbain, le vocabulaire architectural, certes, mais pas seulement. Cet architecte, et non des moindres, vont répondre à la question ce soir. Alors, ils vont tous faire une petite présentation. Ils ont tous choisi un angle très particulier, justement pour ne pas qu'il y ait de redondance, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de correspondance. Et c'est ça qui va faire ensuite un grand débat avec vous, et vraiment, on ouvrira les questions à la salle, et surtout, n'hésitez pas à nous questionner, à nous interroger, enfin, surtout eux. Voilà, et nous allons commencer par Alessandro Mosca, qui va peut-être nous surprendre en, justement, prenant un peu de recul. Pour regarder Ispahan, il faut peut-être regarder d'autres villes pour mieux y revenir. Alessandro. Bonsoir. Oui, tout a commencé par ce voyage organisé avec l'école d'architecture de Versailles sur un workshop avec des étudiants où moi, on m'a demandé de les accompagner parce que je travaillais beaucoup sur la question des infrastructures et j'étais effectivement assez fasciné par l'idée de pouvoir aller en Iran puisque c'est un pays qui effectivement parle de ces questions, de ces infrastructures qui sont des bâtiments, qui sont des lieux. Et de culture romaine, quand je suis arrivé à Ispahan, en fait, quand on m'a posé la question de venir ce soir pour parler d'Ispahan, je suis revenu sur le plan de Nolli, qui est le plan de la fin du 18e siècle, qui est une coupe à rez-de-chaussée de la ville de Rome, où en fait, l'espace public est à la fois composé des rues, mais aussi composé de l'intérieur des églises, de l'intérieur des palais, de l'intérieur des bâtiments administratifs, et où la quantité de vide de l'espace public est plus à l'intérieur des bâtiments que dans les rues. Et en fait, je me suis tout de suite attaché à cette idée de dire que mon premier souvenir, quand j'ai repensé à ma promenade et à la découverte d'Ispahan, je me suis dit, mais je me suis promené dans le plan de Nolli. Je me suis promené dans un lieu où il y a un espace public qui est un espace public totalement complexe,
qu'il n'est pas, comme le dirait Koulas aujourd'hui, pour ce qui est en Europe, un espace public stérilisé par la multitude d'usages qu'on veut lui donner, et en fait on est en train de le stériliser, que l'espace public est en train de se déplacer à l'intérieur des bâtiments, mais un espace public qui est totalement le lieu à la fois de toute la liberté, de toute la capacité d'accepter des usages, le lieu aussi de tous les contrôles, et donc il y a une qualité très très grande sur ce système d'espace public. Alors bien évidemment, la place Maïdan, avec l'ensemble des places intérieures et des jardins qui sont aussi des jardins minéraux, pas obligatoirement des jardins végétaux, c'est-à-dire l'espace fermé, qui va développer l'ensemble de ce tissu, où il y a à la fois tous ces espaces qui sont mis à disposition de l'ensemble des habitants et qui se l'approprient de façon totalement diverse et suivant les heures et les jours. J'ai retrouvé ce plan qui est en fait le dessin qui a été fait en 1840 par Pascal Xavier Coste, qui a été envoyé par une mission archéologique par l'Académie des Beaux-Arts pour faire les relevés d'Ispahan. Et on voit là qu'en fait, il va relever la ville, mais il va relever les bâtiments en simplement les signifiant autour des espaces publics. Et donc, le premier élément fondamental, c'est pas le bâtiment, mais c'est l'espace public. Et on voit que cette ville, dans cette structure, en fait, va favoriser toute une série de typologies, donc de types d'espaces, qui sont à la fois des espaces extérieurs, des espaces intérieurs, et qui vont se décliner des espaces de type de place, des espaces de type des bazars, où en fait on a un espace public couvert, des espaces publics qui sont les mosquées à l'intérieur, des grandes salles dans lesquelles où les gens vont effectivement pour le culte, mais aussi vont au quotidien dans des cadres sociaux plus élargis. Et il y a cette chaîne comme ça qui se construit à Ispahan, et je retrouve là effectivement cette culture où le privé a la capacité de devenir le lieu du public et de l'espace public. On voit ici effectivement l'usage marché de la place Maïdan dans sa structure classique, et on voit aussi aujourd'hui cette capacité à devenir un jardin, un lieu de repos, un lieu de discussion, un lieu où les gens se l'approprient avec différents usages, différentes temporalités. Ce qui m'a intéressé aussi assez fortement, c'est cette diversité qui peut se croiser. Effectivement, là, il y a encore de l'eau. En tout cas, c'était ce miroir. Je pense que c'est un rapport au ciel. Je pense que on en entendra parler plus tard. Et puis, c'est aussi le lieu à l'intérieur de la mosquée de vendredi où on peut discuter, s'asseoir. Et donc, si ces espaces ont été fabriqués pour des fonctions, en fait, ils ont encore toute cette liberté d'être appropriés pour d'autres fonctions. Et c'est en ça que j'ai trouvé cette learning from Ispahan, c'est cette richesse retrouvée de la capacité, de la liberté de l'espace par rapport à l'évolution des sociétés, de pouvoir le faire muter dans ses usages sans le spécifier obligatoirement trop et en lui laissant sa liberté et en lui laissant sa capacité d'être vide. C'est-à-dire la valeur du vide dans la ville. Et contrairement à d'autres villes que j'ai visitées, pourquoi je me suis retrouvé dans ce plan de Noli, c'est parce que le vide est respecté. Et le vide, on considère qu'il a encore cette valeur qui va fabriquer la question de la cohésion de la ville. Donc bon voilà, donc c'est effectivement, on peut dessiner, les gens viennent s'asseoir, pas contrôler, regarder, et puis découvrir aussi comment on perçoit nous le dessin. Et on voit cette cartographie toujours là avec le bazar, qui est l'histoire des caravanserrailles, l'histoire des marchés, mais qui était aussi des lieux où là on est dans un espace couvert, de même valeur du vide, mais totalement couvert, qu'on retrouve avec ces grandes circulations, avec la lumière qui rentre à l'intérieur et que vous connaissez tous. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est donc la ville couverte est une ville publique et d'espace public, et l'infrastructure devient aussi l'espace public. Ça a été abordé avec la question des ponts, donc ça c'est à l'intérieur où les sous-ensembles deviennent aussi des lieux d'espace public. Et en fait, on a ici le pont
de Cafour, où c'est toujours un relevé en 1840 fait par Pascal Xavier Coste, qui relève le pont et qui va en fait en faire un parrain de sa structure, et c'est vide. Et on voit que c'est non plus simplement une infrastructure, mais une architecture, et cette architecture a la capacité d'être totalement habitée et de muter dans son habitat, dans la façon dont elle est habitée, au gré des moments. Donc c'est la journée, c'est le lieu, c'est la niche, c'est l'alcôve, donc il y a ce rapport entre l'iwan, l'alcôve, l'espace du privé qui rentre dans l'espace public, et ça je trouve que c'est très intéressant, ce rapport entre cet iwan qui permet de créer quelque chose de privé momentané par rapport à quelque chose qui reste totalement public. C'est celui de la discussion, de la rencontre, et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, qui est celui de l'interdit du chant, où la nuit, les gens viennent chanter sous le pont, et tout d'un coup, il y a aussi une autre culture qui se développe, et donc je pense que c'est ce learning disparant, c'est ce mot qui est de la liberté apportée par l'espace public. C'est plutôt singing from in Spain. Singing. Alors, nous allons enchaîner avec Marc Barani, à qui je proposerais peut-être de rebondir sur cette idée de grande place, de vide, le vide qui n'est pas rien. Oui, alors c'est étonnant parce que pour tout vous dire, on n'a pas eu communication des interventions des uns et des autres. Et l'ordre de passage s'est fait au dernier moment, brillamment, par Francis. Effectivement, ce que j'ai à dire est d'une certaine manière une continuité de ce que tu as dit. Alors, la première chose, c'est qu'on est entre les connaissances et notre métier, et puis finalement une vision un peu touristique, parce que connaître la culture perse, iranienne, musulmane est un peu compliqué en un seul temps, mais il y a quand même des sensations qu'on peut avoir. La première, c'est que je connaissais l'Iran, son architecture, ces villes, quelques dessins, mais en fait je ne la connaissais pas, je n'avais pas compris qu'elle était entourée d'un désert, je n'avais pas compris qu'Ispahan, et ça c'était une photo pendant le vol d'arrivée, qui, vous allez voir, dit beaucoup de mon point de vue sur la ville d'Ispahan. La ville c'est un oasis, mais elle est entourée de vide et d'un grand désert, et ça je ne le savais pas, enfin je n'avais pas mesuré. Au milieu de la ville d'Ispahan, donc la place, donc c'est parfait parce que tu as montré tous les plans, y compris l'interprétation de Tibnoli, la place royale, qui est un lieu de représentation à la fois sociale, culturelle, politique et spirituelle. Donc c'est vraiment le lieu de la communauté, de l'incarnation de la communauté à Ispahan. Immense, comme tu l'as dit, Francis, plus de 500 mètres de long. Voilà, le dispositif avec... Donc une ceinture de bâtiments qui sont R+1, qui sont des commerces. Sur la partie haute, en haut à droite de l'image, est connecté le bazar. Donc d'une certaine manière, c'est une organisation un peu plus rationnelle ou d'un autre type du bazar qui se continue sur l'ensemble de la place. Il faut dire qu'à ce moment-là, le roi Abbas, on peut en discuter après, avait des relations étroites avec l'Occident. On peut imaginer cette place comme un mix, en tous les cas ça m'intéresse de l'imaginer comme un mix entre la pensée orientale et certains attributs d'une place occidentale. Donc vous avez sur la partie en bas à droite de l'image la mosquée du Chat ou la mosquée du Vendredi, le palais Ali Kapou, qui est le palais du roi sur la gauche, en face la mosquée privée du roi, et donc un dispositif où on voit le pouvoir politique, le pouvoir spirituel, et le même plan à peu près que le tien, la connexion avec le bazar, donc les trois temps de la vie d'une ville, commerce, politique et religieux. Le bazar, une sorte de grotte dans lequel on est avec... quelquefois de la lumière naturelle, quelquefois en lumière artificielle, tellement c'est dense. Et puis on arrive avec une porte, un iwan, exactement, qui est cette loggia ou cette niche surmontée d'un arc brisé et qui ouvre le bazar, dont vous voyez la petite porte en bas, sur l'immensité de la place. Et là, donc j'ai fait une description factuelle, hein, quasi rationnelle de cette place. Là, on se rend compte que le palais dont je vous ai parlé, Ali Kapou, il a le même
la même forme, la même arc brisé, la même proportion, pour figurer le passage et que les mosquées aussi. Et donc je le prends comme un indice de quelque chose, d'une recherche d'unité sur ce lieu, mais aussi peut-être, ce qui est commun dans la pensée orientale ou extrême-orientale, du fait que la distinction entre profane et sacré, que je vous ai énoncé clairement, le pouvoir politique, le commerce, le pouvoir religieux, elle n'est pas aussi simple que ça, et que cette recherche d'unité fait que les choses sont interconnectées, elles ne sont pas aussi déconnectées que ce qu'on peut les imaginer en Occident. La place, avec cet horizon incroyable que crée le R+1 des étages de commerce, la coupole de la mosquée du Chat. On sort du bazar, on a en face le grand Iwan surmonté de deux tours de la mosquée, le palais royal sur le côté, la mosquée de l'autre côté. Cet espace, vu de l'autre côté, c'est-à-dire quand on sort de la mosquée, on a le bazar en face, donc on voit les liens qui se créent. Et puis cette image... pour dire une chose, c'est que on peut décrire cette place en termes de, c'est la plus grande, une des plus grandes au monde, sur la proportion, sur sa fonctionnalité. Il n'empêche qu'on prend un coup dans l'estomac sur la présence du ciel et du vide. Et il y a quelque chose que j'ai jamais retrouvé ailleurs, cerner un espace de 9 hectares avec un R+1 et donner autant de présence au ciel et au vide, c'est-à-dire un lien aussi clair et immédiat entre le ciel et le vide, c'est quelque chose de bouleversant. En tous les cas, c'est ce que j'ai retenu de cette place. Et du coup, j'ai commencé à regarder les bâtiments et tout avec ce thème-là. Quel lien ils ont construit à cet endroit-là entre le vide et le ciel. La place telle qu'elle est aujourd'hui, dessinée avec une géométrie d'eau et de verdure. Là, je reviens sur ce que tu as dit. La liberté du vide et la capacité de faire des choses dans le vide, elle était bien plus présente qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, on ne peut plus faire grand-chose sur cette place. Parce que l'origine, c'est ça. Et cette place, à l'origine, pour moi, elle est merveilleuse. C'est un morceau de désert, parce que c'est du sable par terre, cerné par des murs, sur lesquels viennent se poser un certain nombre de bâtiments. Donc, un espèce de geste élémentaire. On vit, on se rappelle de l'avion, on est au-dessus du sable, on prend un morceau de désert, on l'entoure, et on y met les éléments de la vie sociale et spirituel. C'est important parce que c'est très bien d'avoir mis cette image parce que il faut se souvenir, si on peut dire, que ce lieu c'était le lieu du sport aussi, du sport, de la culture et aussi des exécutions publiques. Oui. Il y avait là donc en effet plusieurs rituels qui se mélangeaient. Elle se créait par rapport à la notion du vide, un vide qui a une dimension métaphysique, disons-le. Enfin, on l'annonce puisque tu m'incites à le faire. Là, c'est la photo. Ça, c'est une photo donc au début du siècle dernier pour montrer que cette place est restée une immensité de sable pendant très longtemps. Précisément, pour pouvoir y faire des exécutions capitales, c'était une place d'armes, c'était un lieu, comme tu l'as montré, de tente, de marché, avec le roi qui surplombait cette histoire avec sa terrasse. C'était un lieu où on jouait au polo. Donc un lieu multifonctionnel, mais toujours dans cette qualité de morceaux de désert découpés. Alors après, il y a toute une série d'astuces architecturales qui nous parlent toujours de cette question du vide. Quand on arrive, ça c'est une gravure de l'entrée de la mosquée du vendredi, tu l'as appelée mosquée du vendredi parce que j'ose pas le prononcer en iranien, c'est trop complexe. Avec un retrait, le retrait qui fait le monument par rapport à l'alignement. Donc l'Iwan, avec un dispositif complètement incroyable de stalactites qui peuvent, quand on se remémore l'idée du désert, qui font penser à de la roche creusée par le vent, parce que c'est pas que structurel ce dispositif-là. On rentre par un coup, on le verra tout à l'heure, par un autre Iwan, et on a une autre mosquée en face, et là on arrive dans un espace sidérant, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on a ces Iwans qui sont dans une proportion telle, qui se font face à face, et là on n'a plus un rapport ouvert au ciel, on a une compression. On a l'impression qu'on a comprimé le ciel, dans ce vis-à-vis entre... vous voyez bien que c'est le vide qui creuse le bâtiment, l'Iwan, c'est une paroi, un creusement, et comme on le voit sur cette image... En tous les cas, c'est ce que je ressentais. On a l'impression que le vide et le ciel a été comprimé par ces quatre Iwans qui se font face avec une proportion très particulière et que, une fois comprimé, le vide est venu gonfler, d'une certaine manière, les coupoles des mosquées. C'est pas évident sur cette image, mais vous pouvez me faire confiance, ça fonctionne comme ça.
On sent vraiment cette, mais physiquement, hein, cette, ce rapport de proportion d'une exactitude absolue. Quand on rentre, donc, on a un sas avant d'arriver voilà, sous la coupole, gigantesque, décorée, magique, et avec une représentation du ciel sur la coupole. Mais contrairement aux églises, où on a un peu ce même sujet, là, c'est en co-visibilité. C'est-à-dire qu'on voit le vrai ciel avec le ciel symbolisé par un dispositif géométrique qui nous dit, par la géométrie sacrée, la constitution invisible du monde. Le palais. Donc, prenons le même thème pour l'analyser, le rapport entre le sol public et le ciel. Il est constitué d'un socle qui est à la hauteur des commerces, d'une grande terrasse, vous le voyez, et puis derrière d'un bâtiment édicule qui était surlevé. Et sa coupe est tout à fait intéressante parce qu'on a au rez-de-chaussée un double hauteur qui est le passage pour aller vers le jardin des palais. Au-dessus, on a une grande salle qui donne sur cette pergola avec un énorme jacuzzi, on peut l'appeler comme ça, donc un lieu de villégiature hein, qui prend la fraîcheur d'un pays où il fait chaud. Et puis au-dessus, une série de salles qui ont été rajoutées un peu plus tard, et vous allez voir qu'elles ont une composition absolument extraordinaire pour écouter de la musique. Donc on a l'espace public, l'espace semi-public, et plus on va vers le ciel, plus on rentre dans l'intime et dans une communication plus précise avec ces éléments-là. Donc le passage au rez-de-chaussée, la salle décorée qui donne sur la pergola où on voit que la finesse des piliers dit aussi cette légèreté, cette poussée ou cette aspiration des choses vers le sol, vers le ciel, pardon. Mise en scène, cette représentation aussi comme sur la coupole d'une autre manière l'utilisation d'une géométrie sacrée vis-à-vis du ciel. Et puis les salles qui ont été rajoutées en haut du palais et qui sont creusées, on est toujours sur la même idée du creusement, mais là pour des raisons acoustiques, sont des salles où le roi et sa cour écoutaient la musique. C'est un dispositif acoustique merveilleux, hyper précis, sachant qu'en Iran, la musique traditionnelle, c'est une manière de rentrer en harmonie avec le monde. La musique est sacrée, elle reprend comme la géométrie, ce que les Perses imaginaient de la constitution invisible du monde. Donc c'est mystique, écouter la musique dans ces conditions-là, c'est pas uniquement de la musique. C'est un rapport avec le ciel, et comme par hasard, ces salles sont en haut du ciel. Voilà, donc pour conclure avec une série d'images, là on a, donc on a le ciel qui est, là on est toujours dans les salles de musique, hein, le ciel qui est dessiné, représenté, évoqué dans cette première situation par la lumière, sous la coupole de la mosquée. C'est pareil, on lève la tête, on regarde le ciel, on a en même temps que le ciel sa représentation. Il y a le ciel qui est comprimé, compressé, sur la mosquée du vendredi, le ciel qui est mis en scène sur la terrasse, et puis le ciel qui fait la moitié du monde. Hein, parce que Ispahan est la moitié du monde, c'est à la fois très ambitieux, puis finalement pas très ambitieux, parce que ça pourrait être le monde entier. J'ai l'impression que dire d'Ispahan que c'est la moitié du monde, ça veut dire que l'autre moitié c'est le ciel. C'est ce que j'ai ressenti sur cette place. Sachant que voilà, le rapport qu'il y a entre ça, le désert, et si ça marche, et ça, pour moi il est absolument évident. C'est-à-dire que il y a un rapport entre le paysage, le grand paysage, et la manière de fabriquer Ispahan sur quelque chose qui dépasse même la connaissance rationnelle des choses, c'est que cette ville porte le désert, elle porte l'idée qu'habitait le désert, c'est le cerner, c'est qualifier du vide, établir un rapport essentiel entre la terre, puisque dans le désert, il n'y a que le sol et le ciel, et d'y aller avec ça. Et je pense qu'Ispahan, pour moi, c'est la confirmation que une culture, elle s'établit dans un paysage, avec tout ce qu'on peut dire hein, du paysage, toutes ses caractéristiques, mais en tous les cas, qu'elle porte ça et qu'elle continue à le porter pendant des siècles. Merci Marc. Nous allons complètement changer d'échelle avec David Trottin, qui nous invite peut-être à une petite balade dans les palais, mosquées, au niveau du détail où tout est architecture, on le sait bien.
Bon, on va repartir du plan. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a une très bonne articulation entre nos différentes interventions de manière totalement. C'est peut-être parce qu'on a tous eu cette touche de disparant qui nous a guidé. Ce qui est intéressant et effectivement et ce qu'on s'est tous aperçu, c'est qu'il y a le grand vide du désert. Tout d'un coup, on le survole et puis on se rapproche avec quand on atterrit. On arrive dans cette ville qui, plus on se rapproche, devient spécifique, devient un lieu. On a ce grand vide au milieu. Et moi, ce qui m'a troublé dans les premières visions de cette ville, donc j'ai pas reparlé de ces places, de ces espaces publics, c'est cette espèce de voyage en deux directions. C'est-à-dire que finalement, en repensant à la ville, j'ai repensé à ce travail des IMS sur le Power of Ten. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui est un film à l'origine, qui est une animation qui part de l'infini, on est dans les étoiles, dans les galaxies, et puis par facteur 10, on se rapproche d'un lieu sur la Terre, on se pose sur un couple qui est en train de pique-niquer dans un jardin à Chicago, près du lac, et puis on se rapproche de ce couple, on se pose sur sa peau, on se pose sur sa main, et on rentre dans sa peau, on rentre dans ses cellules, on rentre jusqu'à un univers qui finalement a la même complexité, la même abstraction que la première image donc, qu'on avait vue au début des galaxies, et cette espèce de tension qui va exister entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et quelque part, si j'ai cette association qui s'est faite un peu naturellement en repensant à ce voyage à Ispahan, c'est certainement parce que comme Marc, j'ai perçu l'immensité du ciel qui domine cette ville. Et effectivement, c'est une vision physiquement saisissante de compression de l'espace à certains endroits et de dilatation complète. Et effectivement, quand on est dans un désert, on a le sentiment d'infini. Mais quand ce désert est cerné par des murs et que on a le ciel au-dessus, c'est encore plus impressionnant. Mais surtout, ce qui est troublant, c'est la peau des choses, c'est la peau des bâtiments, c'est la peau de ces limites qui viennent enserrer l'espace infini. On s'aperçoit que ces limites qui enserrent l'espace infini, elles ont dans une première lecture presque la tonalité du ciel, et on le voyait bien dans les images que Marc a présentées, sur certains espaces quand on est dans la grande mosquée, on a le sentiment parfois que la couleur du ciel à certains moments est la même que celle des murs. Il y a certainement une réflexion qui a été menée quand les choses ont été faites. Marc, toi, tu parlais de la représentation symbolique et géométrique du ciel. Mais pour nous qui ne parlons pas le perse, ou en tout cas qui ne sommes pas capables de repérer l'écriture, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont inscrites, qu'il y a une dimension qui existe dans l'architecture, dans la peau des bâtiments. Alors on trouve toujours que ce qu'on cherche quand on est quelque part et quand on est touriste, moi je suis assez sensible à cette idée de l'ornement, à cette idée de la peau des bâtiments, à cette idée de la matière qui vient finir un espace. Et c'est vrai, quand on voit cette architecture perse, on a le sentiment qu'on a un univers qui est capable de se développer devant soi à différentes échelles. Ça donne la géométrie de ces espaces, ça induit déjà cette dimension un peu fractale, quoi. On est dans quelque chose où, alors j'aurais aimé pouvoir zoomer dans les images et vous montrer l'effet scroll, qui est un effet où quand avec la petite molette de la souris on arrive à zoomer dans les images, mais vous pouvez vous l'imaginez, chaque image, chaque vue, chaque regard que l'on a, on a l'œil qui est attiré par un détail et on peut zoomer à l'intérieur jusqu'à arriver quasiment à la taille fascinante de ce qui a permis de réaliser ces bâtiments, c'est-à-dire des éliges, des petites céramiques qui sont d'abord travaillées à plat comme des aplats de couleurs. On est presque comme dans Matisse, là, c'est-à-dire qu'on a une couleur qui est travaillée en aplats émaillés et après qui est découpée et qui est assemblée comme des éléments d'un puzzle pour fabriquer ces motifs à la complexité géométrique incroyable, et ça donne un grain, et ça donne une finesse, et ça donne un focus sur le détail qui est totalement fascinant, et qui est pas sans rappeler cette dimension fractale
qui tend les éléments jusqu'à leur donner une dimension totalement infinie, puisqu'on peut toujours refragmenter, redécouper la surface que l'on voit. Donc on arrive à la chose la plus... Alors il y a la matière en tant que telle, donc qui est déjà totalement fascinante par le détail qui est quasiment de l'ordre du demi-centimètre quand on est à l'échelle d'un bâtiment qui est monumental. Mais l'utilisation dans beaucoup d'endroits du miroir et du reflet démultiplie encore cette dimension. C'est-à-dire que certaines coupoles, on est face à des endroits où il n'y a plus du tout de limite à l'espace, puisque la matière même est une matière à reflet, est une matière qui prend la lumière, qui piège la lumière, et on a l'œil complètement promené, fasciné par une profondeur fictive, mais en même temps existante dans le lieu qui vous la montre. Ispahan, c'était à Shiraz où il y avait une mosquée encore plus fascinante comme ça, avec complètement miroitante à l'intérieur. Mais déjà cette coupole ici à Ispahan montre ce travail fascinant et complexe, parce qu'à l'époque, fabriquer du miroir, le découper, le poser, c'était une volonté. Il fallait le vouloir beaucoup pour y arriver. Et puis pour finir, au-delà de la matière, donc c'est cette mosquée, c'est la mosquée qui est en face du le palais, la mosquée des femmes, c'est ça, je crois, non, c'est le pardon, l'Otfola, qui se situe, une petite mosquée qui est plus dans la perspective du palais. On rentre à l'intérieur et on est fasciné par cet effet de lumière sur la matière émaillée du dôme. Et au-delà de l'évocation, du détail, de la finesse, tout d'un coup, ma voisine m'a révélé ce qu'il fallait voir. Parce que quand on voit ça, regarde. Et quand on regarde, on s'aperçoit qu'en fait, tout au milieu de la coupole, tout en haut de la coupole, il y a la figure d'un paon. Et que cette magnifique effet de lumière représente la queue du paon. Et là, on se dit qu'au-delà de la matière, au-delà de la finesse, il y a tout d'un coup une capacité à projeter de la poésie, projeter quelque chose qui dépasse l'échelle de l'architecture pour être une histoire. Et c'est totalement, on est séduit et on colporte, on rapporte cette histoire, on la transmet, et c'est une manière de faire partager une culture, une civilisation, une architecture. Et ça, je trouve que c'est un élément fascinant de cette expérience, de ce learning from Ispahan. Merci David. On va enchaîner avec Jean-Patrice Calori. Alors Jean-Patrice, il est évident que quand on voit cette grande place telle qu'elle a été définie, quand on entend ces articulations, cette façon de creuser les vides et autres, ça amène évidemment à une rythmique, et que dès lors la continuité et la répétition devient un thème tentant. Peut-être, non, à explorer. Alors, comment tu as amené les étudiants à dans cette jungle, si je puis m'exprimer ainsi ? Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de leçons à prendre là-bas. De par la richesse des questions lors des promenades, des visites, et vous avez avec beaucoup de précision parlé de beaucoup de choses qui ont, je pense, touché les étudiants qu'on a amenés donc deux années de suite. Notamment à Ispahan. Et en fait, aujourd'hui, ce que je vais essayer de montrer, de révéler, c'était une petite leçon peut-être qu'on pourrait prendre de cette ville, de la fabrication de cette ville. Et ensuite, cette leçon, eh bien, je vous présenterai deux travaux d'étudiants, puisque finalement, au fond, c'était par eux et peut-être grâce à eux qu'on est retourné là-bas, qui vont illustrer cette question. Alors, il faut dire une chose, c'est une image qui est déjà passée, hein. On a tous Internet. Il faut dire une chose, c'est que ce qu'on a ressenti quand même, c'était un sentiment d'unité et de cohérence. Et c'est très paradoxal parce que cette unité, cette cohérence, elle s'est construite sur deux choses que je vais vous présenter. C'est à la fois
le contraste, l'opposition, et puis la répétition. Et donc, lorsqu'on regarde cette nappe, hein, qui s'étale tout autour de la place, dans ce quartier de la place, qui englobe donc le bazar, qui englobe évidemment des caravansérails, des maisons privées, et puis aussi toutes les circulations. Donc on voit des creusements, des trous de toutes sortes de tailles, hein, puisqu'on part de cette immense place pour décliner comme ça des éléments creusés dans la nappe. Et donc, ce qu'on ressent quand on est dans ces cavités, eh bien, c'est que tout est fait pour que les façades, les élévations, les murs se fassent, soient les uns en face des autres, et que le regard converge, et qu'il y a cet effet, si vous voulez, de tout à l'heure, j'ai entendu le mot grotte, oui, c'est ça, de minéralité, d'une minéralité qui englobe, qui en serre. Et puis, on ne pourrait pas parler de ce lieu sans parler justement des jardins. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans un désert, et qui dit désert dit oasis. Et donc, à l'ouest de la place, se trouve, lorsqu'on passe le passage Ali Kapou, qui est la porte, on se dirige donc dans des galeries, et puis on va vers ces jardins où se trouvent des pavillons qui font partie du palais royal. Donc, effectivement, Ali Kapou, mais aussi Chehel Sutun, donc le palais aux 40 colonnes, qui sont 20 mais qui se reflètent dans l'eau, et c'est pour ça qu'on dit les 40 colonnes, et le troisième palais, Hacht Bezecht, je ne sais pas si je prononce correctement. Et donc, ces trois palais, si vous voulez, sont exactement le négatif. Donc, dans un imaginaire qu'on pourrait, ou dans une sorte de métaphore, un peu l'extraction, l'extrusion, si vous voulez, de la matière qui s'est ôtée de cette nappe et qui réapparaît sous forme d'objets posés dans ce jardin et qui entretient donc un rapport extrêmement, clair, poétique et magique avec les arbres, avec la masse végétale. Voilà, et donc l'image, c'est cet objet qui regarde en général dans les quatre directions, bien que une façade soit toujours favorisée, et en général, c'est la façade dans laquelle se trouve ce qu'on appelle le talar, c'est-à-dire le grand porche qu'on retrouve sur le palais d'Ali Kapou et des 40 colonnes. Et donc, pour résumer, on pouvait voir ce paradoxe du positif et du négatif, de l'extraction de la nappe qui se retrouve dans les pavillons posés dans les jardins. Alors, la deuxième chose qui était assez intéressante dans ce paradoxe, c'était que l'opposition, elle se fait aussi par la question du vide et de la masse. Et donc, particulièrement dans ces deux palais, le talar, donc le porche, vient, hein, donc qui enclôt, hein, comme le disait Marx, ce vide par le toit, avec ses colonnes fines sculptées, il vient rentrer en dialogue et en opposition et en contraste avec une masse. Et donc, dans ce cas-là, on voit ici la masse se glisse dessous et le talar vient mettre en scène la vue vers le grand paysage. Et puis donc pour le palais aux 40 colonnes, eh bien c'est un autre dispositif, c'est une juxtaposition, ce n'est plus une imbrication. Comment on fait pour venir en arrière? D'accord. Ok, merci. Et donc le porche, eh bien, est juxtaposé à cette masse qui se trouve derrière et lui ouvre donc vers le bassin, le grand bassin et le parc. Donc
Là, on est dans le porche et on regarde vers le jardin. Et puis, quand on se retourne à 180 degrés, on est dans cette masse creusée qui est aussi est un lieu de l'hospitalité. Donc, comme le Talar, c'est un lieu de l'hospitalité, c'est un lieu de la réception. Et partie creusée dans la minéralité du bloc est aussi un lieu de réception où on voit qu'il y a aussi un creusement par un iwan et par des séries donc de galeries qui donnent sur cet espace entre le dehors et entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc ces contrastes, finalement c'est fait avec peu de choses, de la masse creusée, du vide. Et la deuxième chose, au fond, c'était la répétition. Donc vous avez déjà évoqué ce principe de la voûte persane et puis de l'arc brisé persan. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est donc c'est un élément, tu l'as dit aussi, David, qui se décline donc du plus petit élément jusqu'à l'iwan, jusqu'au plus grand, qui se répète, qui se superpose, donc qui se juxtapose, et qui, par la force de sa répétition, entre dans une dimension totalement abstraite de la géométrie. Et c'est une géométrie qui est à la fois structurelle et ornementale, et qui dessine véritablement un paysage urbain. Et donc on voit que ce système de voûte ici, qui est effectivement pas seulement structurel, mais aussi métaphorique, de la grotte, de la rose des sables, participe donc à la la dimension fractale dont tu parlais de cet élément. Voilà, et donc juste avec ces finalement, il y a un champ des possibles qui était assez réduit au fond, la question de l'opposition, du contraste et puis la répétition. Et à travers ces deux leçons ou ces deux exemples assez modestes, donc les étudiants de l'école, deux équipes d'étudiants de l'école de Versailles, donc ici Alice Roux et Guichi Wang, ont travaillé sur cette question du contraste et entre la nappe creusée et puis le jardin avec le pavillon, avec le palais, en se disant que oui, le palais pouvait être un élément ôté à la nappe. Voilà, donc ils ont travaillé sur un centre de recherche encastré dans la nappe et puis une petite bibliothèque liée programmatiquement avec le centre de recherche, mais donc délocalisé dans le jardin. Et donc la difficulté était de travailler cette relation entre le vide et la masse. Et donc, je vous montre ça rapidement. Donc voilà, c'était un premier exemple d'application de cette question du contraste. Et puis le deuxième travail nous parle de répétition et ces étudiants, donc Thomas Régent et Clément Vigne, ont recherché un jardin perdu qui avait été remplacé donc sur le fameux grand axe qui traverse Ispahan du nord au sud, où des jardins merveilleux avait été remplacé dans les années 30 par des usines depuis désaffectées, et eux donc ont réfléchi à retrouver ce jardin perdu à travers les traces de cette usine avec l'état existant, et ils ont donc fait un travail de soustraction mais aussi donc d'addition d'une nouvelle trame, d'un nouveau système de répétition qui viendrait recréer une enceinte
recréer un jardin, creuser un jardin aussi. Et donc ils ont pu se frotter à cette question, voilà, d'une nouvelle trame qui va cohabiter, coexister avec la trame présente. Voilà. Merci, et merci à ces étudiants pour cette contribution. Bita Azimi. Alors, évidemment, j'ai parlé du Zion des Roudes et autres, et de ces architectures magnifiques que le chat avait imaginées, justement pour ponctuer ce parcours urbain, mais aussi pour relier l'autre partie de la ville qui ne s'étendait pas tellement de l'autre côté à l'époque. Donc il y avait là une véritable, déjà une vision extensive d'aller de l'autre côté et pour autant ne pas en faire des ouvrages techniques seulement. Voilà. Ça marche. Oui. Alors, pour ma part, bien sûr, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, et de très belles choses. Qui me font extrêmement plaisir étant donné que, bien sûr, je suis iranienne. Mais ce qui m'a, moi personnellement, au-delà de ces deux masters qu'on a traversés avec Jean-Patrice et les architectes qui sont autour de nous ici en Iran, un moment assez fort m'a vraiment fait comprendre ce qui me fascine dans ma propre culture, qui est l'extrême raffinement des choses. L'extrême raffinement qui se décline, bien sûr, dans l'art de vivre, l'art d'être ensemble, qui est très particulier aux Iraniens, mais qui se décline dans les édifices, dans ces dispositifs savants qui sont nos architectures, à nous, les Persans, et qui nous permettent de vivre quand même dans un désert, dans un milieu hostile. Et ce que je trouvais... Ce que j'ai redécouvert et que je trouvais absolument fascinant, c'est la manière dont, dans cette contrainte extrêmement forte, qui est le climat, nous avons eu une véritable volonté d'habiter le désert. Et je pense que cette volonté d'habiter le désert, bien sûr, on était au carrefour très stratégique, des caravanes, sérails, etc. Mais il y avait aussi un amour du désert qui était là, je pense, parce que le désert, c'est un peu comme la mer, surtout la Méditerranée, c'est un lieu hypnotique, immuable. Et je pense que d'habiter le désert, d'habiter dans la contrainte, même au-delà d'habiter dans la contrainte, c'est d'en faire son allié, c'est ça qui a amené pour les Iraniens à un moment à arriver à décliner à toutes les échelles ce raffinement de dispositifs et cette habileté qui se décline à la fois sur des questions d'ingénierie, d'architecture, d'ornement, à offrir aux hommes un cadre de vie qui leur était propre. Et tout à l'heure, Jean-Patrice parlait d'unité, on parlait du ciel. Et au fait, cette unité, je pense qu'on a quand même essayé de l'avoir parce qu'on a toujours lutté très fortement et toujours dans un dialogue très fort avec les quatre éléments. C'est-à-dire l'air, l'eau, c'était des quêtes, au fait, de ces quatre éléments qui nous ont... Donc il y avait l'air et l'eau, bien sûr, enfin, le feu, etc. Donc je pense qu'il y avait quand même... la force de ces architectures vient de là. Moi je suis allée sur un pont après être retournée en Iran après très très longtemps. Et je suis allée sur le pont de Khadjou et j'ai compris. Et j'ai entendu. Et vous savez, l'eau est un élément vital en Iran, un élément capital. Et à l'époque, de ce que j'ai compris de l'histoire, parce que je ne suis pas du tout historienne, mais c'est que quand Shah Abbas a voulu faire de Isfahan une capitale, il a vraiment essayé de... à un moment, avec l'eau, composer un axe majeur et urbain. Et ça lui permettait, à travers un travail urbain, de créer une cité. Et cette cité devait être effectivement
une unité, et cette unité devait être une identité pour, c'était le troisième ère au fait de l'avènement d'un troisième ère en Iran, qui était les Safavides, et donc c'était aussi pour exister auprès des Turcs, etc., qui étaient aux frontières. Donc il y a vraiment, dans de ce que j'ai ressenti dans cette oasis qui est l'Ispahan, c'était aussi une façon, à un moment, d'exister avec une identité très forte qui reliait aussi la ville à des éléments qui sont ceux du pouvoir, mais aussi du sacré, et une organisation sociale. Alors donc l'eau était un élément majeur, c'était ce fleuve qui traversait la ville, et puis la ville s'est étendue d'un côté à l'autre. À l'époque, ça avait quand même pu réunir un quartier qui était plutôt musulman, puisque c'était l'ère de l'islam chiite, avec un quartier zoroastrien. Et le pont de Kajou, qui se place exactement à ce lieu-là, est aussi un lieu de rencontre. Ce n'est pas juste une infrastructure qui franchit, mais c'est un lieu où on se retrouve. Donc symboliquement, c'est assez fort. Donc voici le pont de Kajou. Alors comme vous pouvez voir, c'est effectivement, on peut penser à un pont habité, comme on en connaît en Occident, notamment à Florence, le pont des Vecchio. Mais les bâtisseurs des ponts en Iran, comme souvent, comme je reviens sur ces histoires de dispositifs des architectures persanes, essayaient de toujours répondre à plusieurs objectifs, toujours à cause de la contrainte. C'est-à-dire que c'est à la fois un pont et à la fois un barrage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nappe, la rivière est basse, donc il fallait arriver à faire remonter le niveau de l'eau. Le climat la sèche beaucoup. Et donc, l'ensemble de et comme cette rivière devait irriguer les terres, parce que c'était indispensable pour l'agriculture, donc le bâtisseur de ce pont a essayé de trouver un paradoxe pour en faire à la fois un barrage, à la fois un franchissement, et au-delà de tout, il a essayé d'en faire aussi un espace habité. Oui, je veux bien. Alors, vous voyez, c'est un système, ce pont vient se poser sur des blocs de pierre qui sont sculptés. Il s'est au fait construit sur un ancien pont. Donc je ne sais pas exactement quelle est la part du pont ancien et du pont nouveau, mais en tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ce socle qui est formé par ces blocs de pierre compose un premier niveau de sol. Alors, je me suis plu à redessiner ce plan pour le comprendre. C'est ce qu'on fait faire aux étudiants, le redessin, mais on peut le refaire aussi, c'est bien. On comprend très vite qu'il y a dans ce pont un travail de structure inversée entre la partie haute et la partie basse. Vous voyez, la partie haute, c'est le plan qui se retrouve là-haut. C'est un lieu qui crée un lien. Et la partie basse, c'est un lien qui est d'abord dirigé par l'eau, mais qui ménage aussi une traversée. Donc on peut le lire en coupe, il y a vraiment un travail de masse, un travail aussi avec le sol, qui est très intéressant. Et comme vous pouvez voir, donc il y a un tablier qui est au-dessus, et au-dessus il y a encore un mur épais, un mur qui est habité, qui forment les limites du pont. Donc quand on se promène sur ce pont, on peut arriver par le niveau bas. Ce niveau bas, c'est vraiment ce qui fait le barrage. Donc au départ, ça pouvait être juste un espace technique. Ce qui est extraordinaire, c'est, pour moi en tout cas, c'est que cet espace technique devient un espace habité, parce qu'on lui donne la possibilité d'être traversé dans l'autre sens. Et ensuite, il y a ces gradins qui sont posés, ce pont qui est posé sur ces blocs avec ces gradins, et ces gradins deviennent des... Si on, juste pour,
Voilà, ces gradins permettent d'habiter à fleur du pont. Et ensuite, on peut prendre cette grande rue, puisqu'elle est formée comme une rue à cause de ces grands murs, qui sont légèrement sculptés pour qu'on puisse s'asseoir, mais c'est là où un maximum de gens se croisent et se rencontrent. C'est pas mon dernier diaporama, mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, ce pont, comme vous pouvez le voir, ce lien, il est habité. Il peut être rempli de monde, comme il peut être comme ça, la tombée de la nuit, un peu absente. Et puis, comme vous pouvez voir, ces alcôves sont complètement fermées, pour la plupart, sauf quelques-uns. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui s'ouvrent, pas beaucoup, pas tous, parce qu'on se glisse à l'intérieur de ces alcôves et on arrive dans des rues voûtées. Et là, on arrive un tout petit peu par une petite porte à cet endroit-là et le paysage s'ouvre parce qu'on accède au sacré, c'est-à-dire le paysage. Et à ces endroits-là, autant au milieu on peut recevoir le plus grand nombre, autant sur ces endroits-là, si on peut y être très peu. Voilà, c'est un endroit plutôt intime. Je vais peut-être... voilà. Et voyez ici, on appuie là-dessus. Et là, le paysage s'ouvre et on a le spectacle du fleuve. Voilà ces pontons qui se glissent dans l'eau, et puis il peut y avoir un grand nombre qui s'installe, ça devient un théâtre. Et là, le dessous, donc cet endroit qui au départ était technique, deviennent comme des salons. Vous voyez, on s'y pose, on pique-nique beaucoup chez les Iraniens, on pique-nique là, et à la tombée de la nuit, il se passe un truc incroyable, quelque chose d'assez magique. Les hommes ou les femmes, mais je pense que c'est surtout les hommes, ils chantent. Ils chantent presque un peu pièce par pièce, chambre par chambre. Et moi, j'ai entendu un vers de Hafez que je vais vous citer. Je possède un joyau et je cherche quelqu'un qui sait le regarder. Donc aujourd'hui, le fleuve, il est... Je suis lente parce que je suis iranienne. Donc aujourd'hui, le fleuve s'est asséché. Voilà, il a été ôté, un peu disparant, une grande partie de l'année en tout cas. C'est uniquement pendant les fêtes qu'on remet l'eau. Il a été détourné pour certainement un problème de dysfonctionnement. Et pourtant... la fonction de cet édifice et l'usage de cet édifice reste. Le nid du fleuve est franchissable et pourtant, quand nous on y était, les hommes et les femmes passaient par là. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce que c'est quand même la grande force de cet ouvrage qui, au-delà d'une infrastructure, est un édifice qui fait que la mémoire de la trace de l'eau reste et l'édifice témoigne. Alors, on peut constater, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, il faut revenir en arrière. Voilà, que quand on s'éloigne du pont, on voit de loin tout un théâtre d'hommes et de femmes qui se promènent sur ces rues voûtées. Et de loin, l'intimité est complètement tournée. Elle est retournée vers le paysage. Alors, c'est vrai que le fleuve n'est plus là, mais il se comporte un peu comme les contes persans. Il y avait quelqu'un, il n'y avait personne. Merci. Merci, Vita. Nous allons maintenant écouter Reza Azhar. Qui dit désert dit oasis, non? Donc, je vais faire une petite
petite parenthèse, prologue, comme on dit, avant de entrer dans un court sujet, parce que c'est 10 minutes, ça va vite. Et il faut le dire que, contrairement à mes habitudes, là, je me suis laissé guider par mes intuitions plutôt que par un travail rigoureux, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, je suis iranien, évidemment, d'origine. Je suis né en Iran. Je suis venu en France à l'âge de 12 ans. Et depuis, je ne suis jamais retourné. Et donc forcément, les souvenirs que j'ai sont assez lointains. Contrairement à la plupart des personnes qui sont autour de la table ici, moi, je ne connais pas l'Iran à l'âge adulte, ni l'adolescent. Donc vraiment, c'est l'enfance. Donc c'est compliqué de quand on m'a demandé de participer, ça a été quelque chose de compliqué parce que je me suis dit comment je vais faire, parce qu'il y a une, à un moment donné, il y a une sorte de incompatibilité entre mon cerveau adulte et les souvenirs d'enfance. Donc évidemment, entre-temps, il y a eu d'autres choses. Il y a eu le désir d'approfondir ma culture, notamment à travers la calligraphie que j'ai fait pendant plusieurs années, et puis la musique que je continue. Mais ça reste quand même intellectuel. Et donc je n'ai pas cette prise en main que la plupart des personnes qui sont là. Enfin, le rapport au corps, je ne l'ai plus. Voilà. Comment dire ? Donc en fait, voilà, je vais me baser sur un souvenir très lointain. Je suis allé en Ispahan, je devais avoir 5-6 ans, peut-être 6 ans. Et le seul souvenir que j'ai, c'est que je me suis assis dans un parc et c'était très très agréable. Et je me rappelle d'avoir passé longtemps à l'ombre, et il y avait une fraîcheur qui était incroyable, alors qu'il faisait chaud, en dehors de là, il faisait chaud en fait. Donc il y avait quelque chose, voilà, je me rappelle de cet instant, et donc c'est quelque chose de très bref, hein, et comme souvenir, parce que c'est lointain. Et du coup, je me suis intéressé à ça, en fait, à cette espèce d'étrange désir, c'est une espèce de fort désir qu'on a en Iran. J'ai l'impression que c'est très, très partagé. En tout cas, c'est la chose qui nous rassemble peut-être tous, quelles que soient nos religions et nos bords politiques. C'est l'envie d'aller pique-niquer, d'aller se mettre au frais, dans l'herbe, avoir un contact avec la nature. Et donc je commence avec cette carte qui représente le monde, donc avec finalement ce qu'on voit à peu près en couleur désertique, ça représente le désert. Et effectivement, je rejoins Marc et Evita, donc quand on parlait de la question de désert, que l'Iran est paradoxalement, j'ai eu la même chose que toi, pourtant je suis iranien, mais qu'en fait, 80% peut-être du pays est dans un climat, peut-être pas 80, mais peut-être 75%, peut-être dans un climat désertique. Mais l'avantage qu'on a dans notre désert, ce qu'on voit, parce que la couleur, il n'est pas complètement clair comme en Arabie Saoudite, il est légèrement plus foncé. Du coup, notre avantage, c'est l'altitude, c'est qu'on a, on a de l'altitude qui nous permet d'avoir du vent, qui nous permet d'avoir de la matière solide pour creuser. Donc voilà, on a des choses qui nous avantagent. Donc là, comment on avance ? C'est là-dessus ou non, c'est là-dessus, le grand vert. Donc voilà, donc Ispahan en point rouge. Donc ce que je vous disais, c'est que voilà, on a quand même du relief. C'est ce relief qu'on a passé depuis 4000 ans à tailler et à le mettre en notre faveur finalement. Et donc en fait, c'est désertique. Il y a beaucoup. Donc finalement, on va chercher il y a une sorte de quête et de promesse de bonheur dans quelque chose qu'on pourrait appeler une constellation d'oasis, finalement. C'est-à-dire que peut-être que finalement, notre pays, c'est une constellation d'oasis, en fait. Voilà. Et ces oasis-là, il y en a un, donc c'est Ispahan, on voit ici, avec sa rivière, Zorian de Rud. Voilà, je zoome un petit peu dessus. Donc finalement, nous, aujourd'hui, on ne parle que de cœur du cœur, on n'a pas parlé de la partie contemporaine, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, je serais incapable de parler du développement d'Ispahan, je suis désolé. J'ai pas la connaissance suffisante pour parler de ça. Donc voilà, donc c'est une mise en abîme, en fait. Ce qu'on voit là, ça peut être aussi une ville, c'est-à-dire voilà, ce palais au milieu de zones arides, c'est aussi c'est la ville, ça peut être aussi la ville. Donc... alors, du coup, il y a une notion paradis ici. Voilà pourquoi
Pourquoi le paradis ? Parce qu'en fait, forcément, ça nous renvoie au paradis. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, y a une sorte de quête de paradis. C'est-à-dire qu'on a été peut-être à l'origine même du mot paradis dans notre pays. Et peut-être que finalement, on ne fait que d'essayer de faire des paradis. Et c'est étonnant parce que on ne vit pas que dans un paradis, on vit également dans l'enfer, mais on fait avec. Et paradis ici, parce que peut-être que c'est finalement ici l'occasion et le moment de faire le paradis. Et donc voilà, donc ça c'était un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai retrouvé ces photos évidemment sur Internet. Et donc voilà, donc cette espèce de volonté toujours de vouloir devoir se poser dans le pique-niquer et rester longtemps en fait ensemble. Voilà. Alors ici, pourquoi je disais paradis ? Parce que finalement, quand on lit dans le Coran la description de paradis, on y est quoi. Voici la description du jardin promis, donc promesse. À ceux qui craignent Allah, il y aura des fleuves dont l'eau est incorruptible, des fleuves de lait au goût inaltérable, des fleuves de vin, délices pour ceux qui en boivent, des fleuves de miel purifié. Ils y trouveront aussi toutes sortes de fruits et le pardon de leur Seigneur. Donc ça, c'est le sourate 47, verset 15. Et puis un autre qui dit, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. C'est un paradis sous lequel coulent les rivières, ses fruits sont disponibles en permanence, ainsi que son ombrage. Voilà la demeure finale des pieux, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Donc pourquoi attendre si longtemps en fait ? Pourquoi attendre une autre vie ? Donc la miniature à côté représente ça finalement, c'est-à-dire on l'a ce paradis en fait. Ça, ce sont les miniatures qui étaient sur le palais de Chelsea-Tourne, donc qui décrivent en fait finalement ça. Donc on dit que les miniatures décrivent les poèmes, notamment de tous les, donc notamment Shahnameh, qui est énormément dessiné en miniature. Et c'est très très bien parce que la miniature, c'est aussi le support de la mémoire, ce qui permet aux gens qui ne savent pas lire de continuer à transmettre la poésie. C'est extraordinaire le pouvoir des miniatures. Donc voici quelques-uns. Donc toujours ce paradis qui est omniprésent avec le fond qui est le désert, le fond de la perspective, et puis on s'assoit sur le tapis naturel du paradis. Et puis on chasse aussi dans ce paradis. Et vous voyez, donc il y a tout, il y a aussi même, alors ce qui est étonnant, c'est que il y a même ici un liseré comme ça qui descend. On peut imaginer que ça peut être le Rannot, par exemple. Vous savez, vous connaissez, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'Iraniens donc, dans la salle. Rannot, qui est les canalisations qui ont été creusées pour amener l'eau depuis les montagnes, enfin depuis les nappes phréatiques, un peu, qui sont relevées au niveau des montagnes, et puis aussi les couches poreuses, pour amener l'eau. Donc je vais en parler après. Voilà, donc, alors je voulais parler, alors j'ai mis des dessins, vous allez voir après, des très très jolis dessins d'un garçon très talentueux, qui s'appelle Sinar Momtaz. Alors c'est drôle parce que j'ai co-dirigé son diplôme avec Patrick, ici présent, et donc à l'EPFL, à Lausanne, moi j'étais en tant qu'enseignant extérieur, et donc évidemment le... Monsieur Patrick Berger était son directeur des diplômes. Et du coup, donc ce garçon avait travaillé sur une autre région d'Iran qui est BAM. Il avait essayé d'amener une architecture contemporaine tout en respectant donc, les éléments, en fait, on va dire, de ce langage traditionnel qui n'est pas là pour rien et auquel il faut donner un élan contemporain. En tout cas, c'est l'enjeu des architectes, des jeunes architectes iraniens aujourd'hui. Donc il y a les quatre éléments donc de paradis finalement, donc qui sont l'eau, le jardin, le vent et l'ombre. Donc les éléments qu'on retrouve, je vous ai déjà montré. Donc en fait finalement ces éléments-là on les retrouvait déjà dans Pasargod, je ne sais pas si
vous avez reconnu. Donc ça, c'est le palais royal de Pasargadae qui est à peu près moins 600, je crois, enfin 600 avant Jésus-Christ, donc, par Cyrus le Grand, je crois. Et donc qui présente les premiers signes archéologiques des canalisations de jardins organisés, notamment le Charbar qu'on voit ici. Ah oui, pardon, je me suis trompé de bouton. Bref, donc ça c'est la version qu'on voit là en fait, le Charbar. Ça c'est la version modélisée 3D en 2004 par une équipe française qui a essayé de tenter de modéliser le Pasargadae. Donc l'eau, donc là ce sont aussi ces signes qui avaient trouvé aussi ces citations. Donc mon Dieu protège mon pays du mensonge, des ennemis et de la sécheresse. J'ai la bouche sèche. Alors donc les Ranot, donc vous connaissez, voilà donc un dessin de Sina, donc qui sont donc ces canalisations avec ces puits intermédiaires. Donc ces granotes vont de 2 km à 72, je crois, en moyenne 30 km. Donc 30 km creusés par la main, enfin la main, quoi. Donc, et puis intermédiaire des puits, parce qu'on creusait de la manière suivante, c'est qu'on avançait par le puits en creusant horizontalement, et puis on venait remonter cette terre par des trous intermédiaires qui permettaient d'évacuer la terre plus facilement que ramener la terre complètement au bout. Et puis voilà, jusqu'à arriver jusqu'à la montagne. Alors j'aime beaucoup, c'est pas dans la région d'Espérance, c'est au Guilin, je crois que région de Guilin. Donc c'est dans le nord, évidemment c'est plus vert. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment la nature vient coloniser ces trous, parce qu'en fait il y a cette aspiration d'eau. Et je trouvais que c'était magnifique cette rencontre entre la nature et le trou. Ouais. Donc toujours un dessin de signaux. Donc évidemment, le Ranot est connecté au Manbor, c'est là où on collecte l'eau, et avec la fraîcheur des tours avant qui sont autour. Les tours avant apportent de la fraîcheur. Donc voici un Manbor. Et ça c'est pareil, c'est aussi des éléments d'architecture qu'on retrouve en Ispahan. En Ispahan, il y en a aussi, je crois, parce que j'ai vu sur certaines photos. Mais on le retrouve partout dans tout l'Iran central. Donc voilà le Manbor, tous les éléments, le Ranot qui arrive, l'accès, et puis les tours avant qu'on voit à l'arrière-plan. Évidemment, il se termine également, non seulement pendant les réserves, mais également au cœur de la ville, dans les jardins des palais, dans les jardins, quoi, et puis au cœur des cours, notamment pour les ablutions. Et puis là, on voit, je crois que ça, c'est le palais Khorhoyne qui a été détruit. Et là, on voit en fait, il rentre carrément jusqu'au cœur, à l'intérieur même du palais. Ensuite, donc les jardins, voilà. Donc le Charbar qui a été modifié, sa version islamique, parce qu'il y avait les 8 portes de paradis, donc c'est plus 4, mais c'est 8. Ensuite, voilà, ça c'était bon. Évidemment, ça c'est l'oasis, la base de l'oasis finalement Ispahan, voilà, le cœur. Mais bon, vous avez suffisamment vu de plans, je crois. Bon. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est tous les palais qui ont été détruits. En fait, il y en avait énormément. Mais j'aurais bien voulu avoir des plans de ces palais, mais malheureusement, je sais pas si on peut les trouver. C'est difficile à trouver. Ouais. Ouais. C'est quand même des bijoux. Hein. Donc il y a le Chel Sotoun, on dit Chel parce qu'en fait il y a 20 colonnes, mais avec le reflet dans l'eau du bassin qui est devant, en fait ça se démultiplie, ça devient 40, donc on appelle ça Chel Sotoun. Parce qu'on dit aussi Chel pour beaucoup, mais je crois qu'ici particulièrement c'est vraiment les 40 colonnes du. Enfin les 20 multipliés par 2. Ouais. Donc voilà. Voilà la réflexion. Et aussi, dans l'axe opposé, on retrouve une alcôve avec le plan d'eau devant. Et en fait, j'imagine que alors là, j'extrapole, mais peut-être que j'ai raison. C'est là où les musiciens pourraient se mettre, par exemple, parce que
Oui, c'est, par contre, techniquement, je suis sûr de ce que je dis. C'est-à-dire le fait d'avoir une sorte d'alcôve à l'arrière-plan des musiciens et d'avoir un plan d'eau en face, vous avez la concentration des ondes sonores et la propagation, l'amplification par l'eau. Vous pouvez chuchoter dans la coupole, vous l'entendrez en face sur dans les colonnes. Je pense. Voilà l'autre palais. Je l'avais mis surtout pour une raison, c'était vraiment, évidemment, ça, tout ça, vous l'avez déjà vu. Donc, en fait, c'est pourquoi ? Parce que je veux dire que le paradis est présent partout, finalement. C'est-à-dire, même, voilà, c'est-à-dire que même tous les motifs sont c'est des motifs floraux. Donc, le jardin, ce paradis, c'est présent. Et d'ailleurs, les origines du mot jardin, bon, enfin, le paradis, je crois que c'était, ça voulait dire aussi enclos, c'est paradis. Et donc voilà le vent, puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. Ça, c'est James Dean. Donc le Bodhgir, le fameux Bodhgir, avec toutes ces différentes interprétations. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils rafraîchissent avec ce système. On passait de 41 degrés à 29. L'ombre. Alors évidemment, si on regarde tout le plan de centrale de Ispahan, enfin de centre Ispahan, c'est on peut se promener de manière continue avec toujours l'ombre qui vous suit. Vous pourrez toujours être à l'ombre. C'est quand même extraordinaire. Donc, voici la complexité du bazar. Plan là que tu avais montré tout à l'heure. Alors ça, c'est assez drôle parce que cette coupe que vous voyez là, d'un coup, ça m'a rappelé un projet. Vous connaissez, c'est le Kimball Museum de Louis Kahn. Et en fait, c'est quasiment la même coupe. C'est drôle. Parce qu'en fait, Kimball, c'est aussi ça, sa particularité, c'est que ce sont des ensembles d'espaces voûtés avec une voûte très spécifique, qui n'est pas du tout construit avec... en se concentrant au milieu, mais plutôt ces deux voûtes qui ne se rejoignent pas, en fait. Donc, c'est un autre système constructif, mais c'est les mêmes espaces, c'est-à-dire jouer avec en coupe, avec des profondeurs, ce qu'on retrouve également ici, avoir des profondeurs différentes à l'intérieur du système. Je ne sais plus pourquoi je voulais montrer ça. C'est pour l'ombre, oui. Il y a toujours de l'ombre. Et même sur les ponts, donc, il y a de l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, l'ombre vous suit partout. En fait, j'ai regardé, j'ai fait le parcours, et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un moment où on peut sortir de l'ombre. C'est incroyable. Et aussi, autre chose qui est intéressant à Isfahan, c'est que ces ponts, effectivement, ce que tu as très bien dit, Bita, c'est que ça reliait les communautés. C'est que d'un côté, il y avait le pont Raju qui reliait la communauté Zartosht, et puis il y avait le pont Siosepol qui reliait la communauté arménienne. Donc c'est parce que les Arméniens aussi, ils sont arrivés à l'époque de Charapos, je crois, parce qu'il y avait... en Turquie, ils étaient mal en point, et Charapos en a ramené 25 000 à Ispahan, je crois. Donc c'était intéressant, et Charapos, je reviens aussi à ce que tu disais, Marc, était extrêmement attiré par la culture occidentale et même ailleurs. Et il aimait beaucoup aussi que la ville, il y ait toujours plein de nationalités, plein de gens aussi de cultures et de religions différentes qui habitent. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà, alors juste, je m'adresse à ceux qui ne sont pas iraniens parce que je pense que vous connaissez ça. Donc en fait, c'est que je voulais juste, toujours dans cet élan de désir et d'intuition guidée par mon intuition, vous dire que les choses qui m'ont marqué, qui m'ont en fait fait réfléchir sur ma culture, des supports de médiation, qui m'ont fait réfléchir sur cette culture et le rapport à l'espace, je voulais les présenter là. Donc il y a Bode Sabah, donc Albert Lamoris, 1970. Il y a le petit poisson noir qui vient de sortir,
donc qui parle aussi d'une certaine façon du paradis et de la promesse. Donc ça, il vient de sortir de chez Albin Michel, je vous le conseille, les dessins sont sublimes, je l'ai acheté avant-hier. Et donc ces deux films qui ont parlé aussi, qui parlent également de la promesse et du paradis, mais chacun dans sa, avec ses sujets. Le jour où je suis devenue femme, et puis iranien, qui est fait par mon ami Mehran, voilà, que je n'ai pas vu depuis des années. Je crois que c'est tout. Merci. Alors, Patrick Berger, qui va prendre un petit micro. Oui. Alors Patrick, tu n'as pas d'image à nous montrer, mais tu peux évoquer les choses magnifiquement comme tu sais si bien le faire. Dans les pérégrinations, dans les rues, les souks, quand on quitte la grande place et autres, on a vu les images, on arrive à un moment à la vieille mosquée, à la plus ancienne. Et là, j'ai bien vu que l'architecte que tu es a été assez secoué par ce qu'il a vu. Les coupoles, l'organisation, la structure, la masse, la puissance, l'élévation. On a vu que c'est un lieu qui ne t'a pas laissé indifférent. Tu pourrais nous en parler ce soir ? Oui, je n'ai pas d'image parce que... Il n'y a pas de problème. Je suis juste été invité hier, donc je n'ai rien pu vous préparer. Donc, ceci dit, là, je viens de mettre quelques notes en place en vous écoutant. Voilà, c'est vrai que quand on visite des édifices historiques ou des sites historiques, on n'est pas des historiens. Il y a beaucoup de fiction, voilà. Mais au fond, le but, c'est pas la vérité. Il y en a évidemment, il y a un mélange de vérité et de fiction, mais le but, c'est parfois on trouve des idées, des formes, mais surtout on se pose des questions. Et ces questions, elles sont parfois très fécondes, 5 ans, 10 ans plus tard, je dirais, quand on fait tout simplement un projet, quand on le dessine. Alors, c'est vrai qu'à Ispahan, j'ai été frappé par la mosquée du vendredi. Alors évidemment, il y a des questions générales qu'on se pose, c'est-à-dire... on sait, grosso modo, qu'il y a eu d'abord une salle hypostyle, c'est-à-dire une mosquée traditionnelle, on va dire arabe, entre guillemets, sur un système d'espace de cette nature. Et tout d'un coup, on voit un autre système d'espace qui est cette cour carrée, ces 4 iwans, et ces salles avec des coupoles. Et des gens se disent que ça a dû être un tour de force, je dirais, de concilier ces deux systèmes incompatibles. Mais au fond, peut-être que l'architecture, c'est ça aussi, c'est-à-dire de la contrainte, oui, mais de réussir à résoudre deux ensembles qui n'ont jamais été, mis en relation. Alors, on sait que ce plan carré, avec cette coupole au-dessus, existait bien avant, dans des temples zoroastriens. Hein, c'était un plan carré, un arc par côté, une coupole. On sait qu'il y a là, comment dirais-je, une antériorité. Mais quand on arrive dans la mosquée de vendredi, on voit d'abord cette grande coupole avec la mosquée, puis on voit ensuite des salles à côté avec des petites coupoles, toute une série de petites coupoles. Et la coupole, c'est pas rien, c'est-à-dire qu'il s'agit de passer structurellement d'une sphère à un plan carré. En gros, voilà. On le fait généralement soit par des coupoles sur pendentif ou soit par des coupoles sur trompe. Voilà. Et ici, c'est un passage de la sphère à un octogone et ensuite au carré. Tout ça, ça a l'air très simple, mais il faut que ça marche structurellement. Il faut que les lignes de force, soient logiques. Et tout ça pour amener à la stabilité et à la gravité, à la force de la gravité par l'architecture, ça part du sol par rapport avec la structure. Et là, on voit une diversité, elles sont toutes différentes, et on voit une très grande richesse. Alors, on ne sait pas, on se dit, est-ce que c'est une diversité, est-ce qu'il y a une concurrence, un peu comme des chefs-d'œuvre de compagnons chez nous, mais on en ressent, on se dit, c'est savant. On se dit, c'est savant. Et là, on s'est dit, là, ils connaissent la géométrie. Et ce n'est pas de la géométrie pour de la géométrie, ce n'est pas une forme, parce que
On aime cette géométrie. C'est la géométrie qui est utilisée pour résoudre, comment dirais-je, une structure. Et là, on est obligé de prendre du recul, parce que quand on voit une forme belle qui est une forme belle, une question, c'est dit comment elle a pu émerger. Et en fait, Ispahan, moi je vois ça comme ça, hein, Ispahan, avant Ispahan, il y a eu Bagdad. Voilà. Bagdad, c'était le Harvard de l'époque, vers le 8e, 9e siècle. Tous les savants étaient là. Il n'y avait pas simplement les philosophes, les poètes, les médecins, etc. Il y avait aussi des mathématiciens qui traduisaient, je dirais, qui faisaient de relais, le relais, comment dirais-je, avec les mathématiques grecques, grosso modo. Et puis ensuite, ce centre de grands savants s'est déplacé vers Ispahan, vers le 11e siècle. Et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que Ispahan, à un moment donné, a produit un centre scientifique avec une bibliothèque de très très haut vol. Et dans ces moments-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de géomètres, nous on ne connaît que le géomètre du monde occidental, mais à ce moment-là, il y a de très très grands mathématiciens, qui travaillent. Algorithme, par exemple, c'est bien sûr avant Ispahan, ça vient de Al-Khwarizmi, c'est-à-dire ça vient de cette région-là, c'est ni plus ni moins son nom, c'est lui qui a, Algebra, ça, voilà, l'algèbre. Et il y en a d'autres qui ont ensuite trouvé des choses dans la trigonométrie, sur la projection, des grands problèmes déjà pour situer la Qibla. Enfin, l'astronomie également. Donc il y a une effervescence qui n'est pas... on reconnaît bien sûr les grands noms qui ont influencé, je dirais, qui sont encore présents comme Avicenne, mais là, il y a, et c'est dans cet environnement-là, certainement, que ces beautés à Ispahan ont aussi émergé. Mais cette culture savante, on se dit, il faut la fabriquer. Et là, on voit qu'il y a une culture populaire qui est présente. Parce que les coupoles, il y en a partout, dans les tissus vernaculaires. Donc les gens savent faire, si vous voulez. Mais cette culture de la géométrie, donc cette science de la géométrie, qui est pour les maîtres d'œuvre, mais qui est, je dirais aussi, certainement pour les artisans, on la voit déjà dans l'Iwan. L'Iwan, c'est un porche qui a une très forte puissance symbolique. On se dit, bon, on sait, enfin, on vous dit que c'est peut-être la figure de la grotte où des chiites se seraient réfugiés. On voit effectivement un système arborescent, parfois en stuc, parfois en brique, de 12 niveaux. 12 comme les 12 imams. On voit donc que là c'est abstrait, il n'y a pas de figure humaine, mais que ces grandes figures, je dirais en tout cas de cette croyance, sont représentées de cette manière-là. Est-ce vrai, est-ce faux? On sent que le programme, décoratif, n'est pas seulement lié par le maître d'œuvre. Je veux dire, c'est pas aussi par cette culture populaire qui sait faire et qui a un métier, en tout cas sur la terre cuite et le stuc. Et on sait qu'on en voit d'autres dans les mausolées d'imams. Ce qu'on appelle les mougarnas, excusez-moi l'expression. Voilà, c'est stalactites qui sont figurées. Et puis on avance plus loin, et là, on voit dans cette mosquée-là un mihrab qui est d'une très très grande beauté. Pour ceux qui connaissent, c'est deux colonnes avec un arc, et puis un peu entre les deux, le même en plus petit en homothétique. Ce n'est pas une perspective, on a une sensation d'espace. Et là, effectivement, on voit, un entrelacement de calligraphie et de motifs floraux. Voilà. Et c'est un bas-relief. Alors, on se dit, les bas-reliefs, il savait faire, parce que Persépolis, c'était quand même l'art du bas-relief. Mais là aussi, géométriquement, si on regarde de près, et y compris d'ailleurs dans les images que vous avez montrées sur les mosaïques, on s'aperçoit que c'est de la symétrie. Pas de la symétrie au sens que nous, encore, on l'entend, c'est-à-dire à droite, à gauche, à ce milieu, non, qui est un des modes de symétrie. Ce n'est que des travaux de rotation, de translation et d'inversion. Et c'est cela, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous dessinez des branchages, etc., jeunes, on vous dit, les maîtres vous disent, de dessin vous disent, fouille. Alors, ça veut tout dire, il faut fouiller, voilà. Mais là, il y a une géométrie cachée qui, encore une fois,
demande, comment dirais-je, et géométrique cachée, ces opérations de symétrie, c'est avec elles qu'on dessine et qu'on trouve encore les formes, je dirais, du pan, du monde animal ou de la flore. Et il en ressort une notion de, dans ce mirable, de vibration, de dilatation, et oui, de raffinement. Qui a certainement été une alternative, on le sent, qui a influencé le monde du 19e siècle dont on est issu, parce que nous, voilà, on est encore dans l'ombre du 19e siècle, il y a le classicisme d'un côté, la clarté, les éléments, un sentiment paisible, de l'autre, le vertige, le gothique, la structure, mais là, c'est pas du tout ça. On a un mélange de puissance, comment dirais-je, et de raffinement. Alors, est-ce que cette inspiration poétique est liée effectivement au jardin qui sont représentés dans les tapis? Est-ce que dans ces bas-reliefs, finalement, il y a eu des passages entre le fait de tisser effectivement des motifs et donc de passer par la géométrie? Est-ce que cette sensation, comment dirais-je, mais en tout cas, c'est une alternative et on comprend qu'elle a énormément, comment dirais-je, influencé des artistes au 19e et au 20e siècle. Et puis, ça a été dit, c'est-à-dire que si vous continuez sur la route, entre guillemets, et que vous allez à Boukhara, que vous allez à Samarcande, que vous allez dans l'architecture moghole, on n'est pas du tout dans la même période et peu importe, même l'architecture moghole qui d'une certaine manière a intégré la massivité de l'architecture hindoue, on sent qu'il y a quelque chose de... que Ispahan, c'est un chapitre, je dirais, de ce grand mouvement, et que c'est une architecture presque totale. C'est-à-dire qu'il y a la structure, on vient d'en parler, mais il y a aussi l'acoustique, vous l'avez dit. Moi, je me rappelle que dans la grande mosquée du Shah, avec un ticket de métro, je me mets au milieu, il y a une chose de réverbération. C'est vrai que pour la musique, vous mettez les musiciens ici, le son vous arrive par le plan, d'optique. C'est-à-dire que vous avez les bassins, vous avez des effets réels, virtuels, de réflexion. Voilà. Merci. Pour quelqu'un qui n'avait pas préparé, c'est pas mal. Tu as évoqué Samarcande très furtivement. Je voudrais rappeler que Patrick Berger avait gagné un grand concours à Samarcande et que, en effet, vu de là-bas, ce ne sont pas les mêmes cultures et autres, mais on est quand même dans un réseau de civilisation et de culture, quand même, où l'architecture est au cœur de tous ces débats. Oui, effectivement, moi j'avais gagné ce concours, c'était un concours qui était organisé par l'Union nationale des architectes, et bien sûr par la République ouzbèque, et puis le moment où on a gagné, l'Union soviétique, s'est effondrée. C'est un concours qui portait sur les terrains qui sont entre les madrassas et les bâtiments soviétiques. Mais surtout, c'est que, pour venir au sujet, c'est que la ville à Samarcande qui est très importante, en Ouzbékistan, c'est Boukhara. Il y a eu certainement, parce qu'il y a beaucoup de mathématiciens, pour venir au sujet, qui étaient des Ouzbeks, qui venaient de Boukhara, et dès le 8e, 9e siècle. Donc, il s'est passé des choses entre Boukhara, Bagdad, Ispahan, je ne sais pas, mais, en tout cas, de ce point de vue-là, ça a été, un centre important. Alors, on a beaucoup parlé, évidemment, Learning from Ispahan, c'est surtout de cette architecture du XVIIe siècle et même beaucoup plus ancienne. On n'a presque pas envie de parler de la ville moderne, mais enfin, quand même, ici, à la Cité de l'architecture, je voudrais quand même juste que vous répondiez rapidement sur quel a été votre sentiment quand vous êtes sorti de l'aéroport, quand vous avez vu ces tissus périphériques, vous êtes arrivé justement dans ce cœur de ville avec vos étudiants et autres. Comment vous l'avez senti, le Ispahan du 21e siècle? Dites-moi. En fait, on pourrait quand même dire qu'il y a un grand appauvrissement justement de la culture, de l'intelligence constructive, de la fabrication de tout ce paysage urbain qui a été fait. Et on constate donc une sorte de générique qui s'est installé, c'est-à-dire des immeubles. Alors il y a une coupe type, c'est-à-dire un immeuble sur la rue, un jardin, un deuxième immeuble et puis un bout de jardin où en général se garent les bagnoles. Et avec ça, ça doit être en R+3, R+4, on fait une ville. Et donc dans la répétition, on pourrait dire aussi, bon, de manière individuelle, c'est absolument
ben, indigent. Alors peut-être que par la force de la répétition, là aussi, ben, on fait une ville. Ça me rappelle quand j'étais allé il y a pas mal d'années à Thessalonique, où dans la ville de Thessalonique, il y a des vestiges comme ça qui sont épars, un peu plus ou moins, puisque le sol était beaucoup plus bas comme ça. Et la ville, c'est quoi? C'est en fait une ville entièrement faite de bâtiments à balcon filant et à garde-corps, à barreaudage en alu. Et voilà, je m'étais dit là aussi qu'au fond, par la masse critique du balcon en alu et de tous ces immeubles génériques, on arrivait aussi à avoir quelque chose qui avait une certaine force. Mais voilà, donc Ispahan, c'est ça, c'est-à-dire des nappes entières de cette typologie, de cette morphologie comme ça qui se développe. David ou Marc? Oui, j'ai eu la même sensation que Jean-Patrice. Mais j'ai remarqué aussi une chose, c'est la disparition de l'espace public. Dans les pourtours d'Ispahan, on a tous parlé d'espace public d'une certaine manière. Et dans les suburbs, comme on les appelle, il n'y a plus d'espace public. Et ça, on retrouve ça dans beaucoup de villes d'Afrique du Nord aussi, à Ispahan, Beyrouth, à Ispahan. À Tripoli, Beyrouth est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la ville, elle s'est structurée sur l'idée qu'on vit ensemble et qu'on doit partager un certain nombre de choses. Et d'un coup, ça disparaît et c'est plus que des autoroutes ou des voies qui s'agrandissent ou qui se calibrent plus ou moins en fonction du débit des voitures, des embouteillages et tout ce qu'on veut. Et il n'y a plus d'espace public. Indépendamment de la qualité de l'architecture, qu'elle soit bonne ou mauvaise, à la limite, bon, voilà. Mais le fait qu'il n'y ait plus d'espace public, ça dit beaucoup de choses, je pense. Bita, ça t'a frappé, ça, parce que tu as fait l'éloge du pont magnifiquement et autres, en effet, structurellement, techniquement, et on a tous été convaincus par ce lieu qui rassemblait à toute heure, avec des temporalités différentes et autres. C'est assez formidable et poétique, même quand il n'y a pas d'eau, je dirais. Oui. Mais c'est vrai qu'en dehors, les espaces urbains, la gare par exemple, il n'y a pas de train et ce n'est pas parce qu'il y a des grèves, c'est parce qu'il n'y a pas de train. Ils viennent une fois par jour, je crois, et c'est un espace un peu incroyable. La mobilité où tout le monde est à l'arrêt. Il y a des paradoxes. Oui, ce que j'ai constaté quand j'étais là-bas par rapport à l'idée que je me faisais quand même de ces villes et des architectures et des paysages que j'avais, qui se sont faits comme ça sur des dispositifs, au fait qu'ils étaient savants, intelligents, qui permettaient de répondre à plusieurs objectifs. Je pense que ça a été totalement balayé par l'arrivée de la climatisation, des conforts, on va dire, techniques, qui font que tous ces espaces qui, justement, on essayait toujours de faire des espaces techniques, des espaces habités, enfin, c'était vraiment une espèce de synthèse de plusieurs raisons convergentes qui permettaient de créer l'espace et l'architecture. Je pense qu'il y a aussi cette modernité que l'Iran a pris un peu de plein fouet, sans forcément, enfin, c'est mon analyse et c'est mon sentiment, il n'a pas forcément, ne l'a pas réinterprété et n'a pas relu son histoire, et peut-être que c'est comme ça, c'est comme ça que le monde est aujourd'hui, partout. Et pour parler à la fois justement de ces bâtiments qui ne se regardent plus, alors que l'espace public est vraiment retourné à l'intérieur en Orient. Les rues sont des passages, des lieux d'ombre, et puis l'espace public, l'espace où on se rencontre, c'est déjà les patios, les maisons, les seuils, etc. Et au fait, j'ai quand même le sentiment qu'on est passé à un urbanisme un peu de grille, avec des blocs, et la question de l'espace public était extrêmement raffinée aussi au moment où, par exemple, vous allez aussi dans des villes comme Téhéran ou à Yazd, etc. C'est vraiment, par exemple, à Téhéran, il y a des rivières d'eau qui traversent la ville, dans lesquelles sont plantés les arbres, qui donnent, on en avait parlé l'autre fois avec Sandro, qui donnent vraiment une végétation très étroite, mais qui donne de l'ombre et qui crée l'aménité d'espace public. La conduction de l'eau partout, dont parlait Reza,
par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui a été complètement oublié. Le VRD, c'est le VRD. Enfin, c'est vraiment dommage. David ? Il y a aussi, dans la comparaison que tu nous forces à faire, ou tu nous pousses à faire, l'opposition entre... On vient de parler que de bâtiments emblématiques et de bâtiments pour les classes dominantes du pays. Et on essaye de les confronter finalement à la masse des habitations populaires. Donc quelque part, il y a... En tout cas, moi, je n'ai pas vu, quand on était à Ispahan, d'habitat traditionnel populaire. Mais c'est vrai que à Yazd, par exemple, où on pouvait imaginer avoir des constructions qui étaient... dirais moins noble, il y avait cette intelligence de jouer avec les éléments. Mais c'est sûr que l'étanchéité que nous aujourd'hui on nous conseille, on nous impose à faire dans notre architecture est une négation permanente, on va dire, des conditions de l'environnement, en se refermant vers l'intérieur et en faisant des bâtiments qui ne dialoguent pas avec leur environnement, alors que toute l'intelligence que l'on peut voir dans l'architecture et l'urbanisme traditionnel, c'est effectivement de faire de la difficulté une alliée. On habite le désert, donc on essaye d'en prendre l'ombre, on essaye d'y trouver l'eau, on va essayer d'y capter les vents, plutôt que de se mettre dans une boîte et de mettre à l'intérieur de cette boîte les conditions du confort théorique qui vont être une climatisation. Et je pense que c'est aujourd'hui le grand chantier intellectuel que nos métiers doivent reprendre sur la technique, c'est d'essayer d'aller dans le sens où on peut inventer de manière intelligente par rapport au contexte des conditions de confort beaucoup plus pérennes et beaucoup plus économes, on va dire, que d'aller dans le sens d'une technologie qui pousse simplement à s'isoler les uns des autres de plus en plus et de perdre cette relation aussi forte et qualitative que l'espace public génère et que la relation à l'autre est plus importante que le confort thermique, comme il faudrait peut-être imaginer ça de manière plus forte. Alessandro ? Un commentaire sur le paysage contemporain. Oui, je voudrais revenir sur des souvenirs quand on s'est promené, qu'on a visité la ville d'Ispahan. Jean-Baptiste parle du générique, et en fait, moi, il y a effectivement ce générique qui s'est développé pour l'habitat du quotidien. Et moi, il y a une autre chose qui m'a fait peur, c'est le générique qui vient du module historique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des places où on a pris le morceau qui est l'arc à double arc, et ça devient un élément générique, on le reproduit. Ouais. Mais donc il y avait une espèce de grande place comme ça qui avait été un peu mal taillée, mais toujours avec ce système générique. Et donc je pense que c'est une ville qui est un peu un moment clé, c'est-à-dire qu'on sait bien que aujourd'hui, même si le bazar fonctionne assez bien, on sait qu'il y a des économies qui sont en train d'évoluer par rapport à ça. Il y a des typologies qui correspondent plus au système, même si aujourd'hui on peut avec Internet avoir simplement un petit calbeau pour s'installer. Et puis il y a comment on laisse tranquille le patrimoine dans ses qualités pour essayer de comprendre la ville de demain, tout en dialoguant avec le patrimoine, mais en lui demandant pas d'être le moteur de la ville de demain en tant qu'élément générique et répétitif. Et je crois que c'est effectivement ce développement-là dans l'inter-ville entre la partie très historique et la partie qui est ça. J'ai souvenir d'avoir trouvé un peu trop de mimétisme qui me pose plus question que la grille qui est développée de façon plus générale. Juste un petit mot, parce que c'est vrai que si on regarde cette ville vue du ciel, finalement ce dont on a parlé, c'est... une portion congrue de la réalité de l'emprise générale, parce que c'est une grande ville. Et en fait, on reste bloqué sur cette partie de patrimoniale. Cela dit, quand même, ce qui a quand même réussi un tout petit peu à perdurer, c'est la question, tu disais, il n'y a pas d'espace public, mais par contre, il y a une question juste de continuer à peu près correctement la gestion de l'eau en faisant donc des systèmes de fossés qui permettent d'absorber l'eau. D'ailleurs, tous les arbres, c'est très très beau parce que les arbres sont plantés dans ces caniveaux en creux. Et donc, ce qui fait que, voilà, il y a quand même quelques résolutions techniques et, je dirais, d'ingénierie un peu intelligente qui sont quand même qui perdurent. Et ça donne quand même tout autour, quand on s'éloigne même de ce merveilleux cœur, un peu d'espoir. Voilà. Mais
bon, disons qu'après, ce qui se passe, c'est en termes d'architecture. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce tissu générique, il pourrait très facilement, voilà, il peut absorber beaucoup de choses. Il pourrait absorber des équipements sans totalement bouleverser justement un skyline. Enfin, voilà. Donc il aurait la capacité, finalement, dans sa médiocrité, quand même, malgré tout, à muter intelligemment aussi, parce que justement, il est cette espèce de chose qui est capable d'accepter pas mal de. Oui, ce qui peut faire peur aussi, si on regarde les autres lignes, ou les enjeux, disons, en tous les cas, qu'ont affronté Ispahan, mais d'autres villes en Iran, c'est aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres villes, d'ailleurs, c'est le libéralisme absolu qui fait qu'il y a, voilà, Téhéran, il y a des programmes de 100 000 mètres carrés de commerce, etc. Donc c'est cette espèce d'idée de la modernité comme ça importée, basée sur un espèce de libéralisme, capitalisme sauvage, appelons-le comme ça pour faire simple. Donc ça, c'est un des premiers dangers, mais il y a une autre chose auquel l'Iran doit se préparer, on voit les premiers, qui est une chance pour l'Iran, mais qui peut être aussi quelque chose de dramatique pour les périphéries, c'est le tourisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une manne touristique qui est en train de se mettre en place, et que des villes comme Yazd, Ispahan, elles sont en train de muter par rapport à la question du tourisme. Kashan, voilà. Donc on voit les périphéries, surtout sur ces petites villes. Alors sur les grandes villes, c'est plus difficile à lire. Mais comment éviter une patrimonialisation, je sais pas comment, à l'excès, et qui va faire en sorte qu'on va soigner le cœur des villes et on va considérer la périphérie comme une espèce de lieu fonctionnel dans lequel on passe et qui risque de désinguer complètement toutes ces questions de vivre ensemble qui y a encore dans les villes à Ispahan. Donc ça, c'est un des sujets que... D'ailleurs, quand on était allé à Yazd, on avait posé la question à l'école d'architecture et ils n'avaient pas eu de réponse là-dessus. Alors que, voilà, si on prend Yazd, c'est quand même un vrai sujet. Ispahan, ça le sera aussi. On imagine à peu près comment ça peut tourner. Patrick, un mot sur le paysage moderne. Moi, ça va peut-être vous choquer, mais moi, mon impression de l'Iran, je suis allé 3 fois, j'aime bien cette tension entre, on va coder comme ça, la tradition et l'aspiration de la jeunesse iranienne. J'aime bien cette tension, parce que elle va certainement produire quelque chose. Au fond... On se pose tous cette question, soit quel lien avec l'histoire, n'est-ce pas ? Tous, et de plus en plus. Et elle est, comment dirais-je, on ne peut pas y échapper. Mais aussi, la tradition, ce n'est pas forcément quelque chose... La tradition, si ça marche, on continue. Des aspects de la tradition. Si ça ne marche pas, on l'abandonne. C'est l'efficacité qui compte. Donc il y a des choses de la tradition qu'on abandonne dans tous les domaines parce que ça ne fonctionne plus. Et puis, donc parfois, il y a comme ça, il y a des nouveaux comportements, et puis il y a des comportements traditionnels. Je trouve qu'en plus, il me semble que l'éducation iranienne, elle est pas mal, quoi. C'est-à-dire les ingénieurs iraniens qui sont en train de sortir, ça va y aller, j'ai l'impression. Donc, wait and see, on va dire, on fera attendre, mais je pense que c'est une situation très très intéressante. En tout cas, ce qu'on peut dire, pas Ispahan, parce que le prix Aga Khan n'a pas relevé encore une œuvre, mais il y a quand même des œuvres contemporaines tout à fait intéressantes. Une jeune architecte a construit un pont à Téhéran, qui était en fait une sorte de passerelle au-dessus des autoroutes et autres, dans une complexité et une typologie tout à fait nouvelle. On voit bien donc que ça se renouvelle, là encore, et ça, c'est quand même, j'allais dire, très, très, très intéressant. Donc là, c'est relire, en effet... Les questions techniques et en faire et travailler sur l'usage. Et au croisement de ces deux choses, ça donne des œuvres architecturales qui sont relevées. Et là, on sort de la question patrimoniale stricte, car par ailleurs, une maison à Kashan, magnifiquement restaurée, avec un travail d'architecte exceptionnel, a été aussi primée par l'Aga Khan. Donc c'est intéressant de voir que ces deux pôles sont... très vif et je trouve que c'est très porteur d'espoir pour aller dans ton sens.
Oui, mais... Bon, bien sûr, il y a toujours des points de rupture, mais je veux dire, l'histoire, c'est comme ça, mais il y a des exemples quand même. Hein, il y a des pays qui ont... Enfin, je ne vais pas faire de nom de... Mais je pense que ces deux pôles-là, je ne sais pas comment ça se passait, mais ça peut être très, très créatif. Et ça ? Quelle forme ça va donner ? Personne ne le sait. Et après, on va écouter la salle. Je rejoins tout à fait Patrick sur ce point. Je te rejoins parfaitement sur ce point-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je parlais de paradis tout à l'heure. C'est exiger que c'est maintenant ici. Parce que je pense que c'est exactement comme toi qu'aujourd'hui, ils ont une chance extraordinaire. C'est qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui n'a pas encore de définition de limite, qui n'a pas été limité, qui n'est pas... Alors c'est aussi bien et pas bien, mais qui n'est pas non plus jalonné, on va dire, par un pouvoir supérieur qui emprisonne les jeunes dans des espèces de systèmes comme on peut avoir ici. Mais ils ont une sorte de liberté qui permet d'être en contact direct avec la tradition pour pouvoir aller plus loin et avoir cette liberté-là d'aller plus loin. Mais par contre, l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as souligné, Francis, ce qu'on voit finalement, ce sont des prouesses presque individuelles en fait finalement. C'est-à-dire je vois pas à un moment donné un alors peut-être que je manque de culture sur ce sujet, mais je n'ai pas vu un travail sur la ville ou quelque chose qui avec une décision, je dirais politique, d'aller dans un sens, un projet global et pas des prouesses individuelles qui peuvent avoir plein de sensibilités effectivement. Et qui donne effectivement espoir, mais je trouve que c'est très de manière constellaire. Quoi. Voilà. Tu veux dire qu'il n'y a pas encore de grands projets comme la place Maïdan, justement, projet d'espace public. Voilà, il n'y a pas encore ça. Oui, je pense qu'on n'a pas parlé d'une chose, mais depuis la Révolution de 79, il y a eu un gros travail de plantation et de constitution d'espaces verts gigantesques, qui pose un problème sur la consommation de l'eau. On a vu des zones qui étaient... Mais justement, il y a ce grand projet de regagner sur le désert et d'espaces verts, et de beaucoup plus d'espaces verts qu'il n'y avait avant, avec une espèce de reconquête de ce territoire sec. Et donc ces questions, quand on parlait au départ de la question de l'espace public, de la question de l'espace où on va pique-niquer, de la question où il y a cet espace du poème, comme tu l'as montré dans les miniatures, en fait, ça existe. Et c'est vrai que c'est très juste d'avoir parlé du pont Abiate, parce que le pont Abiate n'est pas simplement un pont qui relie. C'est d'abord un bâtiment, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des places, il y a des restaurants, il y a toute une série de commerces. Il relie deux parcs. Ces deux parcs eux-mêmes relient une partie de la ville avec des esplanades, toute une série de systèmes. Donc on voit bien, donc là on ne parlait pas de Ispahan, mais qu'il y a quelque part encore la culture de cette image que l'on voit là, de l'infrastructure qui dépasse son rôle d'infrastructure à proprement dit, mais qui redevient un hypothétique lien possible de la société entre la ville et la question du paysage et de l'espace vert. C'est quelque chose que j'ai ressenti, parce que ce n'est pas inné de dire aujourd'hui on refait un pont et il y aura des endroits pour dormir, il y aura des endroits pour s'asseoir et pour discuter, il y aura des endroits pour aller boire des coups. On pourra prendre des photos, regarder le lointain, venir avec sa famille, aller dans le parc à côté, s'asseoir, repartir. Après, il y a d'autres systèmes de contrôle, etc. Mais... regardez comment nous, on a la difficulté de penser qu'on va pouvoir faire un pont qui va devenir un espace public autre qu'un espace de traversée. Donc je pense que cette culture du vide qui est le capable transpire encore dans la façon de poser les questions par toute une série d'une génération de jeunes architectes que l'on a pu voir là-bas.